Ça va, je te dérange pas? Moi, je suis venu aider une amie parce que. Je suis venu aider une amie parce qu'elle est enfermée chez elle, je crois qu'elle a fait un malaise. Tu es venu aider une amie? Tu me prends pour un con quoi, vas-y descends. Avoue, sinon j'appelle les flics, sinon tu vas rester avec moi, je te le dis moi. Je suis à côté de. Du mec qui a voulu me cambrioler, hein? On va dire ça comme ça. Je vais le garder pendant une semaine. Voilà mon pote, ça c'est ma chambre. Du coup je vais dormir ici? Non, tu dors pas ici, tu vas dormir là-bas là. Où ça? Là-bas, la pièce qu'il y a là-bas là. Ah, dans l'autre pièce là-bas? Ouais, vas-y, avance. Avance, je te suis. J'y vais? Pas peur. Oui, vas-y. Okay. Allume la lumière. Où c'est qu'il y a la lumière? Là, en bas, à tes pieds. C'est un halogène. Avec le pied. Oui. Par terre, à tes pieds. Ah, ok. Voilà. Ah, mais c'est cool ici finalement. C'est limite mieux que chez moi. Ah, bah si c'est mieux que chez toi, tant mieux, ma foi. Mais tant mieux. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, ouais, bah ok, ça va. Je vais te renfermer par contre, hein. Pourquoi vous allez me renfermer? Je vais te renfermer parce que j'ai pas confiance en toi, tout simplement. Et ouais, mais ouais, si j'ai envie de pisser, si j'ai envie d'aller aux toilettes, si j'ai envie de boire, si j'ai un problème, comment je fais pour sortir? Bah si tu as besoin de sortir, tu tapes. Non mais d'accord, je vais taper et... En fait, je suis en garde à vue, au final. Je rigole parce que c'est... Je suis en garde à vue, t'es déjà allé en garde à vue? Tu sais ce que c'est la garde à vue? Non, j'ai jamais fait de garde à vue. Voilà, alors je te garantis que t'es pas en garde à vue, mon pote. Voilà. C'est bon, ça va, je vais être bien ici. Bah oui, tu vas être bien, pourquoi tu serais pas bien, ma foi. Allez. T'as ma clé, comme ça au moins, il part pas. Voilà. Vous voyez les gens? Heureusement que... Parce que moi j'ai ma chambre, mais j'ai dans ma chambre une autre pièce, une deuxième chambre en fait. Voilà, ça donne ça en fait. Ça c'est la porte, enfin bref. Donc là, je l'ai renfermé. Bon, mon pote, passe une bonne nuit, hein. Tu dis pas toi aussi, merci, non, tu connais pas? Oui, merci, toi aussi. Voilà, je préfère. Allez, à demain. Ouais. Donc là, les amis, il peut pas sortir, tout simplement. Je lui réserve une petite tâche ménagère demain. Et rien de bien méchant, là, il est tard. Je vais aller dormir et on se retrouve demain pour une petite... pour la suite, tout simplement. Allez, à toutes. En espérant que tout se passe bien cette nuit. Incroyable. Salut les gars. Comme vous le voyez, je viens de me réveiller. L'autre est toujours dans sa. Dans la chambre là-bas. On va aller le chercher. On va voir s'il est réveillé déjà. On va aller le réveiller doucement, il dort encore. Regardez-le. Il dort encore. Oh, oh, putain. Oh. Putain, t'as bien dormi, ouais? T'as le sommeil profond, toi, hein? Pourquoi tu me réveilles comme ça? Et pourquoi je te réveille comme ça? C'était quoi? Ah oui, c'est vrai. Putain, il a oublié. Il a oublié où il était, le con. Tu avais oublié, eh ouais, ma foi. Tu dormais bien, hein? Mais oui, je dormais bien, justement. Ouais. Tu dormais bien. J'aimerais bien prendre une douche par contre. Il n'y a pas de problème, mon poteau, tu vas prendre une douche. Ouais. T'inquiète pas. On n'est pas des clochards. D'accord, là donne-moi une serviette. Je vais aller récupérer une serviette de suite, mon poteau. De suite, je reviens. Alors, poteau, cette douche. Impeccable, merci. Ça va, c'est pas trop froid? Non, c'est bon, nickel. Impeccable. Je t'ai mis tes habits, hein. Je t'ai mis tes habits dans le sac, là. Ah, merci. Okay. Quand tu sors de la douche, tu mettras ces habits-là. Bon. Parce que tu pues un peu. Ouais, c'est pour ça que tu pues. T'inquiète, c'est gratuit. Il sait pas ce que je lui ai mis comme habit. Il sait pas. Je crois qu'il est pas, il est pas au courant de ce que j'ai pu lui mettre comme habit. Eh non, j'ai pas autre chose. Regarde mon coche habillé. J'ai des nichons au pied et tu m'as habillé en capote. Va falloir le mériter, tes habits, va falloir les mériter. Ouais, mais va falloir les mériter. Attends, ça va. Tu préfères que j'appelle la police? Non, mais je veux pas que j'appelle la police. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord pour rester ici. Mais à un moment donné, il faudrait que tu me donnes quelque chose de correct. Tu vois, tu mérites mieux. Mais tu es magnifique, frérot. Tu mérites mieux, non? C'est parfait, là. Ouais. Tu vas faire les tâches ménagères, frérot.
Ben ouais, mais quel genre de tâche ménagère tu veux que je fasse? C'est nickel. Ben ouais, ben tu vas commencer à passer l'aspirateur. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ah. L'aspirateur, c'est bien, non? Alors dis-le à la caméra. Ben oui, y'a pas de soucis pour passer l'aspirateur. Ok, là, franchement... Oui, t'inquiète pas, je vais te donner des habits normaux. Mais il est où l'aspirateur? Il est en bas, viens, suis-moi, on va aller le chercher l'aspi. Je commence par les escaliers? Ouais, commence par les escaliers, vas-y. Voilà mon poteau, j'ai des habits, tiens, de rien. Merci. Dis merci Kamoff. Oui, merci Kamoff. De rien. Je tiens à le dire, de toute façon, je reste ici de mon plein gré, d'accord? Il m'a proposé soit de rester ici, soit d'aller à la police, donc je reste ici, c'est mon choix. Je suis pas séquestré ou quoi que ce soit, juste je reste ici, et au final, ça me fait chier de passer l'aspirateur, mais au moins, ça me fera réfléchir à deux fois, je préfère aller rester ici qu'aller en prison. Donc du coup, là, je vais me changer, et...